Joyeux nouvel an à tous, nouvel an chinois. Je sais pas si ça se dit. Et puis merci de regarder cette vidéo, un gameplay différé de FIFA que je ne commenterai pas. De toute façon, c'est juste pour pas mettre un écran noir. Au revoir et à bientôt. C'est testeur du jeu pas cool. Aujourd'hui, c'est nouvel an chinois. Eh oui, le 31 janvier. Et là, sur cette image, vous voyez le 31 janvier 1913. C'est le premier match de l'équipe de la Chine, ce qui tombe bien. Sans une année après ça, c'est Nouvel An chinois. Un pur hasard quand même. Bref, quoi. Donc je vais jouer ce match, Chine contre la Philippine, que j'ai... c'est une équipe, si vous voulez, téléchargée depuis le centre de création. Bref, bon bah, comme je disais, c'est Nouvel An chinois. Et puis, cette année, c'est l'année du cheval. L'année passée, c'était... Enfin, l'année passée, c'était 2013-2014. Enfin, oui, enfin, vous comprenez, la dernière année, c'était l'année du serpent. Cette année, c'est l'année du cheval. Et puis, en 2012, c'était l'année du dragon, la meilleure année qu'on préfère, nous, les Chinois. Donc voilà, je joue en pro, bien sûr. Mais on va pas s'attarder sur le gameplay. Donc, nouvel an chinois, nous, on le fête comme ça, quoi. Mais normalement, on allume des pétards et puis aussi, enfin les pétards, les longs pétards collés entre eux. Et puis en Chine, ils mettent des feux d'artifice, il me semble. C'est vraiment une grande fête, Nouvel An chinois, si vous voulez. Pour nous, en Chine, on a à peu près 8 jours de congé, mais ne vous inquiétez pas, on ne les utilise pas tous ces 8 jours. Il y a aussi, il y a quand même plusieurs pays qui fêtent Nouvel An chinois. Vous allez me dire, c'est normal puisqu'il y a les Chinois partout, super drôle. Non, c'est, oui en fait, vous avez un peu raison. C'est que il y a une grande population chinoise. Oui bon, à Taïwan, on s'en serait pas douté puisque c'est des Chinois qui ont été sous domination japonaise, puis après, ils ont été libérés, donc ils sont indépendants, ce qui est certes très dommage, puisque avec leur Natel, les HTC One, c'est une très bonne marque, je trouve, ça fonctionnait bien, mais le mieux, ça serait une combinaison Samsung avec HTC, et puis là, ça fera un combo parfait, je trouve. Bref, quoi, j'en étais. Oui, à Taïwan, il y a beaucoup de Chinois. À Hong Kong aussi. Oui, bon, ça paraît logique, puisque à Hong Kong, ça appartenait à la Chine jusqu'à que les colons anglais viennent envahir un peu la Chine. Et comme avant, la Chine était non civilisée. Mais bref, quoi, ils ont eu la Chine facilement, mais je vous parlerai de ça après. Enfin, non, pas après, plus tard. Donc, pour le moment, je suis dans ce match. Bref, je vais parler encore à Hong Kong, à Macao, si ça s'appelle comme ça, Macao. C'est aussi une appartenance à la Chine, mais les Portugais sont venus prendre. Afin la Chine, j'ai vu une caricature où c'était une sorte de gâteau pizza un peu chelou. Ouais, c'était un peu très moche. Où en fait, c'était écrit Chine dessus. Et puis il y avait plein de gens. Enfin. Les portraits des dirigeants des grandes puissances qui se partageaient la Chine. Et comme arbitre, c'était les Français.
Donc, ce qui veut dire que la Chine était partagée en plusieurs. Surtout avant la Première Guerre mondiale, il y avait un peu le nord qui était sous domination russe, du côté de l'Inde, tibétain à peu près, c'était sous domination. Domination anglaise, puis après à peu près vers le sud sous domination française, puisque les Français sont allés au Vietnam. Ce qui est étonnant, c'est que le Vietnam ne parle pas français, ou sinon ça serait parfait quand même, hein. Vietnam parler français, c'est bon. Oui, parce que des fois je vais souvent en Asie pour faire des petits tours, quoi. Genre, je vais en Ch Chine, puis ensuite au Vietnam, en Malaisie, et à Singapour. Des trucs comme ça, oui, je disais, la Chine était sous domination française, et puis vers la Corée, à peu près là-bas, et puis à un moment la Corée appartenait à la Chine, bah là-bas, c'était sous domination japonaise, c'est-à-dire l'Ouest, non, l'Est, oui, l'Est. Bref. On n'est pas là pour les cours d'histoire, je disais Macao. Puis ensuite, après, il y a Singapour, la Philippine, la Malaisie. Je le poursuis assez vite maintenant. La Malaisie, un peu de Thaïlande, enfin la Thaïlande, la Corée du Sud. Et puis j'en oublie quelques-uns, mais voilà quoi. Le Vietnam. Oui, le Vietnam, il fête. Bref, quoi. Dans ce gameplay de FIFA, je disais, j'allais pas le commenter, mais bon, je le commente un peu. Enfin, je dis un peu les caractéristiques. Nous sommes en maillot rouge, qui signifie le communisme. Communisme. Qui dit communisme en Suisse dit Mao Zedong. Bref, quoi, en chinois, Mao Zedong. Mao Zedong, hein, je sais pas comment vous le dites. Mais en chinois, Mao Zedong. Et puis voilà quoi. Je disais communisme. Mao, on va l'appeler comme ça. Puis ensuite, après Deng Xiaoping, qui a amélioré l'économie. Puis ensuite. Bref quoi. Qui dit communisme dit Russie. Ha. Bien eu. Non. Qui dit communisme dit Corée du Nord, oui bon, ok. Bref, qui dit communisme dit oui, la Russie n'est plus communiste. Si vous le saviez pas, bon, faudrait peut-être évoluer un moment. Désolé, mais c'est un peu la vérité. Non, mais maintenant, le plus grand pays communiste étant la Chine. La deuxième puissance mondiale aussi. Eh oui, on a dépassé les Russes. Avant, c'était l'Europe qui dominait le monde. Avant la Première Guerre mondiale. Les grandes puissances, je sais pas si c'est dans l'ordre, mais c'était à peu près ça. Ils étaient à peu près 8, on va dire. Enfin, oui, bon, ok, j'avoue. Si vous connaissez pas une chaîne d'un joueur qui joue. Qui joue au jeu de stratégie qui s'appelle 1 euro, comme 1 euro quoi, 1 UN, EURO, The 1 euro plutôt. Bref quoi, je m'égare, ce n'est pas de la publicité, non, non, c'est juste de la publicité. Bref quoi, lui il joue à Victoria 2, mais puis quelques vidéos j'ai regardé, il y avait 8 grandes puissances, je vais pas les mettre dans l'ordre, mais je vais quand même essayer. La Grande-Bretagne, l'Angleterre, j'allais dire, mais non, la Grande-Bretagne, la France, l'Autriche, l'Allemagne, oh, la Prusse. Après qui devient la Confédération d'Allemagne du Nord, bref quoi, on va l'appeler l'Empire allemand. Attendez, la Russie. Attendez que je m'en souvienne.
Et puis non, ils étaient à peu près 5, on peut rajouter l'Italie aussi. L'Italie. Bref, ouais, il y a encore deux qui sont. Ah oui, j'avais oublié les États-Unis et l'autre, ben, on s'en fiche un peu parce que ça peut être un peu n'importe qui. Mais bref, quoi. Pendant la révolte des boxeurs, ils étaient tous là. Voilà quoi. Aussi. Oui, je réfléchis assez lentement. Bref, c'était l'Europe qui dominait le monde, sauf qu'il y avait les États-Unis, mais bon. Voilà quoi. Les États-Unis, ce qui est impressionnant, c'est que ils ont évolué super rapidement. Ouais, bon, vous allez me dire, c'est pas un peuple qui s'est formé un peu comme ça. C'était des Anglais qui avaient la technologie et tout ça, qui se sont révoltés et tout ça. Mais quand même, l'élève a dépassé le maître, on peut dire ça, franchement. Étant le maître, étant la Grande-Bretagne, et l'élève étant. L'élève étant. Ah, je réfléchis, mais je trouve pas vraiment beaucoup les mots, on va dire. L'élève étant les États-Unis, voilà. Et puis maintenant, les États-Unis, c'est une plus grande puissance que la Grande-Bretagne. Bref. Puis voilà quoi. Par contre, faut pas croire que la reine de la Grande-Bretagne dirige tout. Elle est. C'est une monarchie constitutionnelle, donc. La reine ou le roi ne dirige pas tout, c'est la monarchie absolue où la reine ou le roi dirige tout. Bref. D'ailleurs, en Angleterre, quand on dit politique anglaise, j'entends souvent reine et pas le roi, c'est bizarre. Et ni premier ministre. Oui, parce que le premier ministre peut être très important. Pour un pays. Voilà quoi. Nous en Suisse, on est 7 confédérés. Voilà quoi. Un truc tranquille quoi. 7 confédérés qui votent, puisqu'ils sont 7 nombres impairs. Donc, c'est une. Ils votent quoi. C'est une démocratie du peuple et même des confédérés quoi. C'est une bonne politique, la Suisse. Bref, en fait, je m'égare beaucoup puisque à la base on parle de Nouvel An chinois, mais là c'est un peu devenu n'importe quoi. Ouais. Bon, bah, Nouvel An chinois, il y a plusieurs pays qui le fêtent, quoi. Je ne sais pas vous, si vous vivez à Paris. Il y aura un défilé comme d'habitude. Ouais, voilà quoi. Bon bah. Le match est bientôt fini. Puis j'ai presque tout dit quoi. Bon bah. Et j'ai dit beaucoup de bon bah. Voilà quoi. Oui, je suis un peu malade, c'est pour ça que la voix, elle est un peu bizarre. Et puis voilà quoi, c'était une vidéo assez normale. Ouais, on va dire comme ça. Pour Nouvel An chinois, faites bien, mangez bien. Ouais, bon. Ok, c'est un peu foiré parce que ça, c'est censé être le mot de la fin, mais. Je l'ai même pas dit à la fin, alors voilà quoi. Ouais, je le dirai après. Donc. Allez, on va attendre 10 secondes. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et bon. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et j'ai mangé bien. Bonne fête à tous. Si vous le fêtez pas, ben,
Voilà quoi, un au revoir normal. C'était juste une fête pour nous les Chinois très importante. Et puis à bientôt. J'espère que cette vidéo vous a plu. Au revoir. Comme je vous l'ai dit plein de fois dans cette vidéo, passez une bonne fête, mangez bien. Et puis merci d'avoir regardé cette vidéo. À la prochaine.